Tout le monde, gloire à Dieu. Si vous êtes là pour délier-le, laissez-le aller, j'ai dit gloire à Dieu. Il t'a déjà délié. Je suis venu juste informer et te dire que tous les jours de ta vie sont brisés ce soir. Et ceux qui sont en ligne, merci de vous joindre à nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour et toute chaîne, tout lien et toutes les dominations du diable de ta vie brisées ce soir au nom de Jésus. Père, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'honorons parce que tu as envoyé ton Fils unique nous délier et nous laisser aller libre. Seigneur, nous te reconnaissons, Saint-Esprit, nous t'accueillons et je prie que tout le monde ici, garçon, fille, homme, femme, jeune, vieux, je prie que la puissance du Seigneur pour la délivrance totale vienne dans ta vie au nom de Jésus. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Je suis dans Jean au chapitre 11. Et nous lisons le verset 41. Jean chapitre 11. Lisons à partir du verset 41. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Le Père a exaucé la prière et l'intercession de Christ te concernant ce soir. Verset 42, il dit verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Toujours, toujours. Je dois vous rappeler que maintenant Christ est à la droite du Père et il intercède pour toi. Et Jésus-Christ a dit Père, que ces années, que ce soit les années passées ou au présent, comme j'intercède pour tous ceux qui sont là-bas, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Quel est ton nom? Crie ton nom et mets ton nom dans la bouche de Jésus, Lazare sort. Verset 44 dit, et le mort sortit. Et le mort, c'est pas qu'il est mort. Quand Christ vient à toi, quand Christ te parle, et quand il touche ta vie ce soir, tout ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Dès que nous aurons fini le commandement qu'il a donné à ses serviteurs, qui dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce commandement sera accompli dans ta vie. Ce soir, je vous parle du message sur ces paroles de Jésus. Déliez-le et laissez-le aller libre. Déliez-le, aller de l'avant. Laissez-le aller de l'avant. Laissez-le aller plus loin. Déliez-le et laissez-le aller libre. Déliez-le et laissez-le en haut, plus haut. Tu iras plus haut.
quand le Seigneur te délie ce soir, quand le Seigneur brisera tous les jours de ta vie ce soir, tu iras de l'avant, tu iras plus loin, tu iras libre et tu vas marcher de l'avant. Le progrès dans ta vie, domination dans ta vie, libération totale dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer. Premièrement, la libération de la servitude, de la corruption. Vous voyez, ce Lazare, il sentait déjà, la corruption s'installait. Et quand Jésus est arrivé là-bas, il a sorti de cette corruption. Premièrement donc, la libération de la servitude, de la corruption. Deuxièmement, la libération de la servitude, de la captivité. Ils l'ont mis dans la tombe et ils ont mis une pierre là-bas. Et c'est comme tu es là et tu es là pour toujours. Mais cette captivité de la tombe, cette captivité d'être enfermé, dominé par une pierre, le Seigneur a brisé cette captivité. Et dans ta vie ce soir, tous les liens sont brisés au nom de Jésus. Deuxième point, donc, la libération de la servitude, de la captivité. Et troisièmement, la libération pour les bénédictions. Quand tu sors pour pouvoir entrer, tu sors de la corruption, tu sors de la captivité, tu sors de la tombe pour entrer dans les bénédictions de la nouvelle création. Troisième point alors, la libération pour les bénédictions de la nouvelle création. Revenons au premier point. Premier point, la libération de la servitude de la corruption. Servitude de la corruption. Il dit, dans le verset 39 du chapitre 11 de Jean, Jésus dit, ôtez la pierre, tu dois jouer ton rôle. Il y a un rôle humain, il y a le rôle du pécheur, il y a le rôle du croyant. Tu crois que Christ est venu, tu crois qu'il va briser tout joug de ta vie. Il y a un rôle que tu dois jouer. Il leur a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, en ce moment-là, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Ça, c'est l'état de la corruption. C'est la position de la corruption. Il était mort et maintenant il sent. Parce qu'il était là depuis 4 jours. Je veux vous rappeler, la Bible dit que le pécheur est mort dans les péchés et dans les transgressions. Et il est mort maintenant. Pas 4 jours, pas 4 mois, 4 années. Il est mort dans le péché depuis des années. Et pour cela, il y a la corruption. Et ce soir, le Seigneur est venu t'affranchir de la servitude de la corruption. Et verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quiconque croit ce soir verra la gloire de Dieu, verra la puissance de Dieu, verra la délivrance de Dieu. Quiconque croit ce soir verra le salut de Dieu. Donnez-moi un bonbon, amen. Psaume 14, verset 1. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu, ils sont corrompus. Ceux qui vivent comme s'il n'y avait pas Dieu, ils sont corrompus. Ceux-là
qui agissent, qui se comportent comme si Dieu ne les voit pas, comme si Dieu ne va pas leur rendre compte, leur faire rendre compte de ce qu'ils font. Ceux qui marchent dans la journée, dans la nuit, ils parlent, ils pensent, ils agissent, ils se comportent comme s'il n'y a pas Dieu, ils sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Laissez-moi vous parler. Parce qu'il dit, nous pouvons avoir la libération de la servitude, des liens de la corruption. La servitude de la corruption. Pourquoi les gens ont-ils la corruption dans leur vie, dans leurs mains, dans leur comportement, dans leurs actions? Pourquoi les gens pratiquent-ils la corruption dans la journée et dans la nuit, lorsqu'ils sont seuls et lorsqu'ils sont avec d'autres personnes? Comprenez que la corruption conduira à la condamnation. La condamnation conduira à la damnation si rien n'est fait. Si vous n'êtes pas libéré de la corruption, finalement, la condamnation viendra. Et finalement, de la condamnation, vous passerez à la damnation. Maintenant, dites-moi, comment les gens se retrouvent-ils dans la corruption? Pourquoi y a-t-il la corruption? Nous devons le savoir pour que vous compreniez ce pourquoi Dieu veut vous sauver. Premièrement, Jésus a dit, ils ne viennent pas à lui parce qu'ils aiment les ténèbres plus que la lumière. Quand quelqu'un aime les ténèbres et il aime les œuvres des ténèbres et qu'il aime ce qu'il fait dans les ténèbres, pensant que Dieu ne voit pas, que Dieu ne connaît pas, ne sait pas, cet homme, cette femme est corrompu. Deuxièmement, pourquoi les gens ont-ils la corruption? Premièrement, c'est l'amour des ténèbres. Deuxièmement, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ils aiment tellement l'argent, ils peuvent détruire, ils peuvent tuer, ils peuvent voler, ils peuvent commettre le mal, ils peuvent tromper, ils peuvent utiliser des méthodes techniques, ils peuvent utiliser des méthodes physiques, ils peuvent utiliser des méthodes bien connues, ils peuvent voler, dérober à cause de l'amour de l'argent. Et quiconque a l'amour des ténèbres et l'amour de l'argent, il a la corruption. Ils aiment l'amour de la chair. Vous voyez, la chair, elle veut qu'on la chérie. La chair veut avoir des jouissances illicites, illégales, adultères. Et à cause de l'amour, les plaisirs de la chair, ils sont corrompus. L'amour de la chair apporte la corruption sur les gens. Pense à toi-même. Tu as la chair. Et quand tu aimes ta chair plus que les commandements de Dieu, quand tu aimes ta chair plus que l'appel de Dieu, quand tu aimes ta chair, cette jouissance illicite qui apporte la corruption dans ta vie, il y a l'amour de la pornographie. La pornographie est connectée à l'amour de la chair. Et quand tu aimes cela, et tu bloques tes oreilles aux avertissements qui viennent d'en haut, dans la nuit, tu es en train de te balader sur cet écran-là parce qu'il y a l'amour de la pornographie. Tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'aimes pas ses commandements, tu n'aimes pas son sacrifice et ce qu'il a fait sur la croix du calvaire. Tout ce à quoi tu penses, c'est la pornographie. La pornographie, c'est chose sale que tu regardes et tu jouis de cela plus que tu ne jouis de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui cause la corruption? C'est l'amour du monde. L'amour du monde. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour du monde, l'orgueil de la vie et l'orgueil de tout et la convoitise de la chair ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Et il dit, si quelqu'un, un homme, si quelqu'un, une femme, si quelqu'un
un homme religieux, une femme religieuse aime le monde, il n'y a pas l'amour de Dieu en lui. Ce sont des choses qui collent la corruption. Le Seigneur va te délivrer ce soir. Le Seigneur va te délivrer ce soir. Et il y a l'amour du moi. L'amour du moi. Tu t'aimes tellement que même si tu piétines sur les autres, tu jouis de cela. Parce que ça te plaît. Si tu voles les autres, tu aimes cela. Parce que ça te plaît. Si tu rends les autres tristes, quand tu rends les autres attristés et tu arraches leurs droits, tu jouis de cela parce que tout est pour le moi. Tu n'es pas pour Christ, tu n'es pas pour sa parole, tu n'es pas pour le ciel. Tout est pour le moi. Ça, c'est l'amour du moi. Toutes ces choses amènent une personne à être corrompue. Et le Seigneur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce soir, il va te délier de toutes choses. Il va t'affranchir de toutes les œuvres de la chair au nom de Jésus. Premièrement, la libération de la servitude, de la corruption. À quoi es-tu lié? Qu'est-ce qui cause la corruption dans ta vie? Est-ce que c'est l'amour des ténèbres? Est-ce l'amour de l'argent? Est-ce l'amour de la chair? Est-ce l'amour de la pornographie? Est-ce l'amour du moi? Quelle que soit la chose, tu dois t'abandonner au Seigneur ce soir et tu dis, Seigneur, je suis si désolé. J'ai permis à l'amour de la chair, l'amour de l'argent, j'ai permis à l'amour de la pornographie, j'ai permis à l'amour de la chair, l'amour du monde et l'amour du moi de m'emballer loin de toi. Parce que tu t'appelles chrétien, bon nom, mais mauvais caractère. Tu t'appelles chrétien, bon nom, mais mauvais comportement à cause de la corruption. Maintenant, 4 jours, 4 mois, 4 années ou 40 ans, ou 50 ans, ou même 60 ans, ou même 70 ans, tu étais là, lié, et tu étais là, dans cette cage, et dans ce tombeau. Et Jésus dit, ôtez la pierre, et comme tu ôtes la pierre, et tu invoques le Seigneur ce soir, il va te pardonner. Il va changer ta vie. Et toutes ces tâches de corruption, tout sera effacé de ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, la libération de la servitude, de la captivité. Libération de la captivité, de la servitude, de la captivité. C'est quoi la captivité? Plusieurs diront, oh, cette personne est en captivité. Lorsqu'un ennemi le capture et l'envoie dans un pays étranger. Ça, c'est la captivité, définition normale. Mais c'est quoi la captivité? Voyons Job au chapitre 42. Je vous lis le verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel ôta la captivité de Job, dit pasteur. J'ai entendu l'histoire de Job et je n'ai pas entendu dire qu'un roi étranger, est venu dans le foyer de Job et l'a amené dans un pays étranger en captivité. Oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce que Job avait que Dieu a appelé captivité? La maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds. L'homme était malade. Il avait des douleurs. Il avait des plaies. Il roulait par terre dans les cendres. Il criait. Il se plaignait. Il n'arrivait pas à dormir dans la nuit. Il n'arrivait pas à dormir même dans la journée.
Mais la captivité, il n'arrivait pas à le travailler captif. Il n'allait pas visiter les gens captifs. Il n'allait pas aller faire ses emplettes captifs. Il n'allait pas aller même participer à quoi que ce soit hors de ce lit d'affliction. Ça, c'est la captivité. Maintenant, on nous dit que l'Éternel, notre Dieu gracieux, notre Dieu, le Dieu miséricordieux, a changé la captivité, la maladie de Job, et l'a rétabli, et il était bien portant. Je crois que tu vas dire Amen. Captivité de la maladie, captivité de l'infirmité, captivité de rester sur le lit couché, alité, pleurant, ayant des douleurs, ayant des plaies. Toute cette captivité ce soir est brisée de ta vie, au nom de Jésus. Je comprends. Depuis, cette femme a le cancer, elle n'arrive plus à visiter les lieux. Elle est couchée là-bas. Je comprends. Depuis que cette personne a le diabète et il urine régulièrement, il n'arrive plus à aller là où il allait. Captivité. Oui, je comprends. Depuis que cette personne a l'aveuglement, il n'arrive plus à conduire comme il conduisait. Il n'arrive plus à bouger comme il bougeait. Captivité. D'aveuglement. Oui, je comprends. Depuis que cette personne est devenue sourde, n'entend plus rien. De quoi il parle là-bas? Parce qu'il n'entend plus. Oui, c'est la captivité de la sourdité. Cela nous limite. La maladie nous limite. L'infirmité nous limite. Ensuite, Christ est venu afin que toutes nos captivités, que toutes nos maladies, que tout soit guéri ce soir au nom de Jésus. Acte 10, verset 38. Acte 10, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Est-ce que je peux vous dire que le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit sont impliqués dans notre libération, dans notre guérison. Dieu est de ton côté. Christ est de ton côté. Le Saint-Esprit est de ton côté. Toute captivité de maladie détruite et brisée de ta vie, ce soir au nom de Jésus. Comment Dieu, qui n'a pas changé, comment Dieu, qui a guéri dans l'Ancien Testament, Dieu, celui qui a créé tout l'univers, le même pour toujours, a oint Jésus, Jésus-Christ qui n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui est éternel, le puissant, celui qui est venu briser tous les jougs de ta vie, comment Dieu, le Dieu inchangeable, a oint Jésus-Christ de Nazareth, Jésus illimité de Nazareth, du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé depuis le temps de la création jusqu'au moment de la rédemption et au temps présent de la dispensation actuelle, il n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, sa puissance est toujours la même. La captivité de la maladie de ta vie, brisée ce soir au nom de Jésus. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit de force qui est de puissance. Partout nous mentionnons le nom de Jésus, l'El Shaddai. Il y a la puissance là-bas. Partout nous mentionnons le nom de Dieu, Elohim. Il y a la puissance là-bas. À tout moment, nous mentionnons le nom de Jéhovah. Jéhovah, notre bannière. Jéhovah, notre force. Le Jéhovah Shama, qui est toujours là. Chaque fois que nous mentionnons le nom de Dieu, Jéhovah, il y a la puissance là. Amen.
et partout où nous mentionnons le nom de Jésus, Emmanuel, notre guérisseur. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Chaque fois que nous mentionnons le nom de Jésus, il y a la puissance là-bas. Il y a la puissance ici ce soir pour briser tes jougs. Il y a la puissance ici ce soir pour détruire toutes les œuvres du diable de ta vie au nom de Jésus. Chaque fois que nous mentionnons le Saint-Esprit, il y a la puissance là-bas. La puissance pour sauver, la puissance pour guérir, la puissance pour détruire tout ce que le diable a orchestré dans ta vie. La puissance, puissance, puissance ce soir. Et elle vient pour toi. J'ai dit, elle vient pour toi. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Cela veut dire la guérison. C'est fait du bien. La maladie est mauvaise. J'ai dit la guérison est bonne. Et la mal et Dieu est bon. Comment savons-nous que Dieu est bon? Parce qu'il envoie la bonté de la guérison dans nos vies. Et je dis ce soir, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Chaque fois que tu es malade, Dieu est bon. Et chaque fois, Dieu est bon. Parce qu'à tout moment, quand nous prions, chaque fois que nous invoquons son nom, la bonté de la guérison, la bonté de la rédemption, la bonté de la délivrance viennent dans nos vies maintenant. Un homme est debout là-bas. Il professe être bon. Et tu viens vers lui. Et tu t'alignes. Et il donne à telle personne 100 dollars. La deuxième personne qui vient, il donne à cette personne 100 dollars. Et toi, tu es content. Tu te dis, oh, je suis dans la queue. Et quand je vais aller vers lui, il me donnera 100 dollars. Parce qu'il est un homme bon, un homme généreux. Maintenant, ton tour arrive, tu approches de lui et il te regarde et il dit, tu quittes là-bas. Je ne vais pas te donner quelque chose. Est-ce qu'il est totalement bon? Non. Mais Dieu est différent. Celui-ci vient, il ouvre ses yeux aveugles et l'homme s'en va réjouissant. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. L'autre aussi vient et il ouvre ses oreilles sourdes. Toi, si tu viens un pied plus court que l'autre, est-ce qu'il va dire, toi, mets-toi de côté, je ne veux pas être bon avec toi. Est-ce qu'il va dire ça? Non! Il est bon tout le temps, envers tout le monde. Tous ceux-là qui viennent à lui, à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons le servir, parce que nous savons qu'il n'est pas partial. Il ne fait pas de discrimination. Notre Dieu est bon. Et ce soir, il te fera du bien dans ta vie au nom de Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant. Et guérissant. Est-ce que tu as la Bible là-bas? Et guérissant. Qui est exempté de tous là-bas? Qui est retranché de tous? Tout le monde est inclus. Dieu merci, tu es dedans. Dieu merci, il t'a vu ce soir. Dieu merci, il va te délier et te laisser aller libre. Libre du péché. Libre de la maladie, des liens de Satan. Qui a l'air de lui en lui faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Sous l'empire de qui? Sous l'empire de qui? Vous savez? Bon, est-ce que je peux les condamner? Moi, j'étais à l'école et j'ai appris telle matière.
Et quand j'étais sorti de l'école, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je leur ai dit 17 plus 4 et il dit 23. Ne le condamne pas. Il n'a pas été à l'école où tu as été. Il y a plusieurs qui ne sont pas venus à l'école de la Bible. Toute mauvaise chose qui arrive. Quand ils ont le cancer, ils disent, oh, ça c'est la bénédiction de Dieu déguisée. Quand ils ont l'aveuglement, ils disent, ah, c'est la bénédiction de Dieu déguisée. Et quand ils ont quoi que ce soit comme accident, ils disent, ah, c'est la bénédiction de Dieu déguisée. Maintenant, ils ne comprennent pas qu'il y a un diable qui vient voler, dérober et tuer. Et ils attribuent tout à Dieu. Ils disent, ah, c'est un acte de Dieu. Ils disent, ah, que c'est un acte de Dieu. Est-ce que tu es hospitalisé? Ils disent que c'est un acte de Dieu. Ta maladie n'est pas un acte de Dieu, c'est l'oppression du diable. Tu n'as pas répondu. J'ai dit, ta maladie n'est pas un acte de Dieu, c'est une oppression du diable. Et Dieu et le diable, ils ne font pas les mêmes œuvres. Ils ne vont pas dans la même direction. Et le diable a envoyé l'oppression, la captivité, la maladie dans ta vie. Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Et il va détruire cela sur de ta vie ce soir. Il va briser ce joug de ta vie ce soir au nom de Jésus. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu et le Père étaient avec le Fils Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est toujours avec Christ? Est-ce que Christ est toujours avec Dieu? Est-ce qu'il est à la droite de la majesté? Il est assis. Et chaque fois, en tout moment, chaque fois, à tout moment, Dieu est avec Christ. Ta guérison aura lieu. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, qui allait de lui en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux, était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Sois le bienvenu à la délivrance ce soir. Sois le bienvenu à ta guérison ce soir. Sois le bienvenu à la puissance qui brise tous les jougs de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Premièrement, la libération de la servitude de la corruption. Il va t'affranchir. Deuxièmement, la libération de la servitude de la captivité. Il va briser toujours toute captivité de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Troisième maintenant, la libération pour les bénédictions de la nouvelle création. Libération pour les bénédictions de la nouvelle création. En Jean, chapitre 11, nous lisons ici le verset 44. Et le mort sortit. En réalité, la vie va remplacer la mort dans ta vie. La puissance de résurrection va remplacer toutes ces puissances du diable qui ruine ta vie au nom de Jésus. Le mort et le malade et l'opprimé sortis. Tu vas sortir ce soir. Et il te sera fait selon ta foi. Tu sortiras ce soir au nom de Jésus. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. L'homme vivait. Il était sorti de la tombe de la corruption. Il était sorti de la tombe de cette captivité. Mais si les tenues de la tombe étaient encore sur lui, et si le visage
était toujours couvert de linge. Et si, même si il est maintenant ressuscité ou il est sorti de la mort, mais les bandes étaient encore là. Vous savez, il y a des gens qui disent, « Oh, je suis sauvé, gloire à Dieu, tu es passé de la mort à la vie. » Mais, si tu es toujours lié par certaines habitudes, si tu es toujours lié et ton visage, il y a une bande qui couvre ton visage, tes yeux, et tu ne vois pas. Et tu es toujours lié par ces comportements. Est-ce que tu peux aller loin dans la vie? C'est pourquoi tu dois venir aujourd'hui. Et Jésus-Christ a dit, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Où est-il? Déliez-le. Où es-tu? Déliez-le et laissez-le aller. Tout ce qui te liait par le passé, tu seras libéré ce soir. Tout joug qui t'avait maintenu lié par le passé, tu es délié ce soir. Tout ce qui t'empêchait d'atteindre un niveau plus supérieur et d'être un réalisateur, tout ce qui t'entravait avant, aujourd'hui, il te délie et te laisse aller. Aujourd'hui, quand tu te donnes au Seigneur, aujourd'hui, quand tu t'abandonnes au Seigneur, tu seras inarrêtable. Je parle à ma fille là-bas. Je dis, tu seras inarrêtable. Je parle à mon fils là-bas. Je dis, tu deviendras inarrêtable. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie sont déracinées ce soir. Le péché, tout, tu seras pardonné ce soir. Maladie, toute forme de maladie, tu es guéri ce soir. Lien, toute forme de lien, tu es délié ce soir au nom de Jésus. Ta vie sera nouvelle. Ton caractère sera nouveau. Ta force sera nouvelle. Ta vitalité sera nouvelle. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire, tu étais hors, quiconque est au dehors est impotent, est sans vision, en captivité, est dans la corruption. Et vous comprenez, ça ne serait pas la corruption que vous fabriquez vous-même. Lazare était mis dans la tombe. Il n'a pas fabriqué de corruption. Le fait simplement qu'il était séparé de l'humanité et dans la tombe, la corruption est venue naturellement. C'est comme ça que ça arrive. Sans Christ là-bas, hors de Christ là-bas, dans la tombe du monde, nous voici au milieu de la société dans le monde. Et la corruption vient, que nous le veuillons ou pas. Mais, quand tu viens à Christ ce soir, il va t'affranchir. Il dit, si quelqu'un est en Christ, toute personne, il est resté dans la corruption 4 semaines, 4 mois, 4 semaines, 4, 50 ans. Tu es un homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Un bon amen. Ta vie sera nouvelle. Ton cerveau sera nouveau. Tes pensées seront nouvelles. Tes plans seront nouveaux. Et tes progrès seront nouveaux. Le type de progrès que tu n'as jamais eu dans ta vie ce soir, ça va commencer. Et le type d'énergie, le type de force que tu n'as jamais eu avant, ça va commencer ce soir au nom de Jésus. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donnez-moi un amen là-bas. Lazare, sors! Et il est sorti.
simplement en écoutant la voix de Christ, celui qui donne la vie. Et la maladie qu'il a tuée et qu'il a envoyée dans la tombe instantanément a disparu. Et les douleurs qu'il avait avant de mourir instantanément, tout a disparu. Et le chagrin, la souffrance et les signes, les cris, les pleurs qu'il avait avant, tout a disparu. Dès que tu entendras la voix de Christ et tu réponds à la voix de Christ et tu dis, Seigneur, me voici. Les anciens chagrins, les anciennes souffrances, les anciens péchés, les anciens pleurs, les anciens cris, les anciens regrets, tout va disparaître. Et il dit, et voici, regardez-le. En réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Plusieurs ont entendu que Lazare était ressuscité des morts. Et ils sont venus parce qu'ils voulaient simplement le voir. Ils voulaient le contempler. Et quiconque est venu, certains le touchaient, certains essayaient de le garder, certains le pinçaient, certains essayaient de lui parler. Ils ont tous vu que tout était devenu nouveau. La joie est entrée dans la maison. La joie a remplacé le chagrin. Tout est devenu nouveau. Même la voix de la Marthe et la voix de Marie. Tout a changé. Oh Seigneur, si tu étais là, oh mon frère, ne serais pas mort. Maintenant, Lazare sort. Et même leurs voix ont changé. Les voix sont devenues nouvelles. La voix de joie dans ta vie. La joie de témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Là, il y avait le chagrin. Là, il y avait la souffrance. Là, il y avait le péché. Là, il y a la pauvreté. Là, il y avait le regret. Maintenant, pour toi, tout va être transformé ce soir. Voici. Je te regarde là-bas. Parce qu'il dit voici. Je regarde ta vie. Parce qu'il dit voici. Je regarde ta situation. Et je déclare, tout est devenu nouveau. C'est pour qui? Je dis, c'est pour qui? Pour toi, pour chacun, en ôtant la pierre. Ça, c'est la pierre de servitude permanente. C'est parti. Et ça ne reviendra plus. Ou être ressuscité encore. Mettez une pierre maintenant. Ôtez la pierre. Ta vie n'est pas terminée. Ôtez la pierre. Cette maladie ne va pas continuer. Ôtez cette pierre. Ce péché, ce mauvais comportement ne va plus continuer dans ta vie. Une nouvelle vie est venue. Où es-tu? Une nouvelle vie est venue. Où es-tu? Une nouvelle délivrance est venue et le Seigneur va l'accomplir dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Premier, va t'affranchir de la corruption. Deuxièmement, il va t'affranchir de la captivité. Et troisièmement, il te conduira dans les bénédictions de la nouvelle création. La tête baissée, les yeux fermés. Les yeux fermés. Le Seigneur veut ôter toute forme de corruption, toute forme de péché de ta vie. Je me réjouis avec toi. Il va te pardonner ce soir. Je me réjouis avec toi. Il va te donner la libération totale du péché ce soir au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à vaincre avant, le Seigneur viendra, ouvre ton cœur et il viendra et il apportera la puissance pour la victoire, la puissance de la libération, la puissance pour être affranchi de tout péché qu'il va apporter dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux sortir de ces liens de la corruption, n'importe où tu es. Tu lèves simplement ta main. Amen.
Que Dieu te bénisse là-bas. Amen. Amen. Lève simplement ta main. Lève la main. Tu vas être affranchi des liens. La corruption. La corruption. De l'amour des ténèbres. Corruption. De l'amour de l'argent. Corruption. De l'amour des choses charnelles. Adultère, fornication, pornographie. Les liens, la corruption. De la pornographie. Tu vas être affranchi. La corruption. De l'amour du moi. Tu vas être affranchi. Il est là pour t'affranchir. Lève simplement la main. Et tu dis au Seigneur, je sais que tu es le seul qui peut m'affranchir de la corruption. Je suis, et me voici. Si tu lèves ta main, lève-toi, n'importe où tu es. Libération est venue. La libération est venue. Identifie-toi devant le Seigneur. Libération de la corruption. Corruption du péché. Libération du mal. L'amour du mal. Il y a des gens qui aiment le mal. Et ils plongent dedans. Ils disent, Seigneur, je suis libre ce soir. Je viens ce soir. Je te reçois comme mon sauveur. Comme mon rédempteur. Je me détourne de l'amour du mal, du péché. Je me détourne et je viens pour te recevoir comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et il viendra. Je tiens la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui. Et tout deviendra nouveau dans ta vie. Simplement par la présence de Christ dans ton cœur. Reçois-le. Reçois-le, Seigneur. J'abandonne l'ancienne voie. J'abandonne mes péchés. J'abandonne les mauvaises voies. J'abandonne ma pornographie. J'abandonne l'amour de l'argent, la racine de tout mal. Et je viens à toi maintenant. Sauve-moi, pardonne-moi, affranchis-moi. Fais de moi une nouvelle création en Christ. Il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Toujours debout, toujours debout. Lève cette main. Partout, vous êtes dans les assemblées, dans les continents, et vous qui êtes en ligne, toujours debout, et levez la main. Le Seigneur va vous affranchir maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, le nom qui a été donné, et qui quiconque invoquera, je prie, pardonne tout ton peuple là-bas ce soir. Au nom de Jésus, affranchis chacun des liens de la corruption. Affranchis chacun des cordes, des chaînes de leur péché. Seigneur, je prie, délie-les et qu'ils aillent libres. Le pardon, la libération. La joie du salut, la puissance pour la victoire, donne à chacun maintenant, au nom de Jésus, une nouvelle vie, une nouvelle création, un nouveau comportement, une nouvelle justice à chaque vie, au nom de Jésus. Donne à chacun le pouvoir de dire non au péché et dit oui à la justice. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Cette œuvre de rédemption, de salut a été accomplie. Toujours debout. Nos conseillers viendront à vous là-bas. Et on prend des détails pour que nous puissions continuer à vous aider dans cette nouvelle vie de la nouvelle création.
Le pasteur va nous aider en ce moment pour que lorsque ceci est fait, je reviendrai et vos maladies ne seront plus dans votre corps ce soir au nom de Jésus. N'importe où vous êtes et vous avez répondu à l'appel de ce soir. Vous avez répondu à ce message que vous avez reçu, et la décision que vous avez prise. Donnez vos informations détaillées. Les conseillers et les surveillants sont là et ils viendront vers vous. Donnez vos informations correctes. Donnez-les les informations correctes. Donnez tous les détails, les informations qu'on vous demandera pour qu'on puisse vous aider dans votre nouvelle foi. C'est une bonne décision que vous prenez qui vous conduira dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ, après le message du pasteur, il y a un lien. Jessica. Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus, un formulaire s'affichera. Remplissez-le. Comme vous le faites, le Seigneur vous bénira. Si vous suivez à la télé ou à la radio et vous avez donné votre vie à Christ, il y a des numéros qui vous ont été communiqués. Communiquez donc ou bien vous pouvez écrire à ce niveau, à ce numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. C'est un numéro WhatsApp, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Donc, il y aura le banquet après la croisade.
Occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé leurs mains ce soir, qui ont répondu à ce message. N'importe où nous sommes, s'il vous plaît, occupons-nous de ceux-là qui ont levé leurs mains. Nous devons les aider, aller vers eux, leur montrer le chemin pour qu'ils soient bénis par le Seigneur. Faisons-le rapidement. Comme l'homme de Dieu revient, faisons-le rapidement. Que Dieu vous bénisse. Et rassurons-nous que nous touchons tout le monde. N'importe où vous êtes, levez simplement la main et les conseils vont vous aider. Commencez à prier. Et vous autres aussi, commencez à prier. Le désir de votre cœur, exprimez-le au Seigneur. C'est pourquoi vous êtes là. Il y aura une explosion ce soir. Explosion de miracles. Le Seigneur vous atteindra de façon merveilleuse. Et vous aurez un témoignage. Priez simplement. Nous sommes là pour de grands prodiges ce soir, des bénédictions inédites, de grands miracles, des merveilles du ciel. Vous avez fini de donner vos détails aux gens. L'homme de Dieu reviendra pour nous donner la bénédiction, la prière. Merci. Ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, c'est votre soirée.
Le Seigneur va vous toucher. Une nouvelle chose dans votre vie. Le Seigneur le fera. C'est pourquoi vous êtes là. Et l'homme de Dieu l'a déjà dit. Nouvelles expériences. Nouvelles bénédictions. Une transformation. Dieu va vous visiter. Et toute mauvaise chose sera ôtée. Et vous donnera une nouvelle vie. De nouveaux témoignages. Pour sa gloire. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons tous nous lever maintenant, comme l'homme de Dieu vient pour déverser les bénédictions? Gloire à Dieu! Ta libération est venue. Libération de la captivité, de la maladie, des liens, des infirmités. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ton corps, tout va partir maintenant. Tes yeux aveugles vont voir. Tes oreilles sourdes vont entendre. Ta langue muette parlera. La paralysie va disparaître. Et la bonne santé parfaite viendra dans ta vie maintenant même au nom de Jésus. Tes chaînes seront brisées. La folie va disparaître. L'insanité va disparaître. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Lève ta main. Tu veux un miracle, tu veux une guérison, tu veux une délivrance. Et mets l'autre main là où tu as le défi. Et ton miracle est là maintenant. Prêt? Le ciel est prêt pour toi. Est-ce que tu es prêt pour le miracle? Père, au nom de Jésus. Père, tu es toujours le même. Seigneur Jésus, tu es toujours le même guérisseur. Saint-Esprit, tu es toujours le même qui recrée toute partie du corps. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions qu'en ce moment même, manifeste ta puissance de guérison au nom de Jésus. Manifeste ta puissance de délivrance au nom de Jésus. Seigneur Jésus, comme tu allais de lui en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, touche chacun, guéris chacun, détruis les œufs du diable, partout maintenant au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles, le Seigneur t'a franchi, ouvre ses yeux et commence à voir au nom de Jésus. Oreilles sourdes, soyez ouvertes et commencez à entendre au nom de Jésus. Langue muette, vous êtes déliés, parlez clairement au nom de Jésus. Cancer, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Enflement, tumeur, n'importe quelle partie du corps, sortez au nom de Jésus. Ulcère, tu es guéri au nom de Jésus. Hémorroïdes, tu es guéri au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche maintenant au nom de Jésus. Et je prie que cet esprit qui te pousse à te voir comme un fou, esprit démoniaque, esprit de folie, de tourment, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'hernie disparaisse maintenant.
Je prie que la paralysie et l'AVC, le dessèchement de la main, du pied, sort au nom de Jésus. Je prie pour ce pied court qu'il pousse maintenant, que cette main courte pousse maintenant. Et tout ce qui tourmente ton corps, tout ce qui est appelé malade dans ton corps, maintenant, maintenant, en ce moment même, sois guéri au nom de Jésus. Tu es délié et le Seigneur te dit, tu peux aller libre. Tu es délié, tu es délivré, tu es affranchi. Tu es guéri. Maintenant, tu peux tenir debout libre, tu peux t'asseoir libre, tu peux marcher librement, tu peux aller librement. Ce miracle a eu lieu dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu n'es plus paralysé, tu n'es plus aveugle, tu n'es plus sourd, tu n'es plus muet. Et ta main n'est plus desséchée. Maintenant, le Seigneur t'a affranchi. Amen.